Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. La Star Academy 2024 est sur le point de débuter, et parmi les 15 candidats de cette nouvelle promotion, un nom se démarque déjà, Franck, un jeune homme de 22 ans originaire du Congo, qui a été repéré sur les réseaux sociaux par la production. Ce samedi 12 octobre, il fera officiellement son entrée au château de Damary-les-Lys, avec un rêve en tête, conquérir le public français et marcher sur les traces de Pierre Garnier, le gagnant de la saison précédente. Franck, un talent déjà révélé par les réseaux sociaux. Grâce à ses vidéos de reprises musicales sur TikTok et Instagram, Franck a attiré l'attention de la production de la Star Academy. Aujourd'hui, il est suivi par 115 000 abonnés sur TikTok et 18 000 sur Instagram, où il partage régulièrement ses performances vocales, principalement des reprises de R&B, soul et gospel. Sa popularité sur les réseaux sociaux a débuté dans les gares de Paris, où il chantait devant des inconnus, notamment à la gare Saint-Lazare. « J'ai commencé à chanter un peu dans les gares », raconte-t-il à France Bleu, dévoilant ainsi sa manière originale d'aller à la rencontre du public avant d'être sous les feux des projecteurs de la Star Academy. Né au Congo, Franck a grandi dans un environnement où la musique était plus perçue comme un passe-temps que comme une réelle carrière. « Je chante depuis que je suis enfant, mais, dans mon pays, la musique est considérée comme une passion, pas comme une activité sérieuse », confie-t-il. Toutefois, il n'a jamais abandonné son rêve. Installé en France à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, pour poursuivre un BTS vente, Franck a continué à développer sa passion pour la musique. Star Academy, un tremplin inespéré pour réaliser son rêve. Contacté par la production via les réseaux sociaux, Franck admet avoir été surpris par cette opportunité. « Quand j'ai reçu le message de la production, j'ai cru que c'était une blague », avoue-t-il aux Parisiens. Malgré ses doutes initiaux, il a décidé de se lancer dans cette aventure unique. « J'ai hésité, mais je ne vois pas ce que j'ai à perdre », ajoute-t-il. En participant à la Star Academy, Franck espère montrer au public la personne authentique qu'il est, tout en révélant l'artiste qu'il aspire à devenir, on ne peut pas tricher devant des caméras. Avec son parcours atypique, son charme naturel et son talent musical indéniable, Franck s'apprête à toucher son rêve du bout des doigts et à marquer cette saison 2024 de la Star Academy. Sera-t-il capable de convaincre les téléspectateurs et les coachs? Réponse dans les semaines à venir.